Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 13 septembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Eh bien aujourd'hui, j'ai pigé l'éloignement. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin d'une fuite, de prendre du recul, vous isoler, prendre vos distances. Vous avez besoin de prendre vos distances par rapport à une situation actuelle qui est dans votre vie. Alors, ça peut être cette situation, point de vue sentimental, peut-être un vieil amour ou une relation ou le fait de, peut-être de laisser derrière vous quelque chose de familier. Et peut-être afin, comme ça va vous permettre de chercher de nouveaux horizons. Vous savez, parfois, il faut se retirer du monde extérieur afin de pouvoir faire une pause, afin de pouvoir réfléchir et peut-être guérir d'une situation amoureuse peut-être, guérir d'un vieil amour, peut-être de votre ancienne relation que vous n'avez pas encore fermé les portes, que vous n'avez pas fait se lâcher prise. Eh bien cette carte, elle vous demande de vous éloigner. Il est grand temps de faire ce travail sur vous, car voilà, ce n'était pas la bonne personne. Alors cette carte, elle peut aussi indiquer qu'il est temps peut-être que vous preniez vos distances pour vous éloigner des liens toxiques. Peut-être maintenant que vous êtes avec quelqu'un, bien, peut-être que vous êtes avec une personne toxique. Et là, eh bien, on vous demande de vous éloigner, on vous invite, en tous les cas, à vous éloigner parce que cette personne, elle est en train de vous casser, elle est en train de vous vider. Donc, voilà, on vous invite à prendre des distances pour casser ces liens toxiques. Maintenant, ça peut être un lien toxique avec votre relation compagnon ou compagne, ça peut être aussi vis-à-vis d'un membre de votre famille, ça peut être aussi au point de vue professionnel, ça peut être aussi dans un milieu amical, dans peut-être une amie, un ami, mais elle est claire cette carte, hein. Voilà, il faut prendre du recul par rapport à ça, vous éloigner, eh bien, pour pouvoir voir d'autres choses, pour ouvrir cette porte à de nouveaux horizons. Il faut prendre de l'éloignement et guérir. Alors, on vous invite à prendre cette occasion pour puiser dans votre petit cœur la force et le courage pour continuer votre chemin, parce qu'il vous en faudra. Ça ne sera pas simple de prendre de l'éloignement, mais ça sera salutaire, n'est-ce pas? Dites-vous que c'est pour votre bien. Et posez-vous les questions, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Si vous êtes dans une relation amicale, amitié, sentimental, professionnel avec quelqu'un
et qu'il vous casse, qu'il vous tire par les pieds, qu'il vous dévalorise, est-ce que c'est bien utile de continuer? Posez-vous les bonnes questions en tous les cas. On termine avec la sagesse Ho'oponopono. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Eh bien, l'éloignement, les éléments perturbateurs, n'est-ce pas? Voilà, éloignez-vous pour vivre sereinement le présent et pouvoir, guérir de ce que vous êtes en train de vivre présentement. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.